Jeanne en son jardin est venue ce matin. Heureuse, elle se promène, surveillant son domaine. À 90 ans, oh bien tu es le temps. Elle s'est levée tôt, au premier chant d'oiseau. Si elle marche à l'aise, c'est grâce à ses prothèses. Si elle n'entend plus, elle a encore bonne vue. Un cœur de jeune fille et l'esprit qui pétille. Mais la moindre émotion fait grimper sa tension. Il fait bon ce matin au doux soleil de juin. Son jardin a vieilli et pourtant resplendit. La mauvaise herbe y pousse, envahie par la mousse. Un peu plus chaque hiver, il est resté bien vert. À l'ombre du vieux saule, coupant une herbe folle, Jeanne admire ses fleurs de toutes les couleurs. Son regard se promène ainsi sur son domaine. Tout est en harmonie et Jeanne en est ravie. Mais son œil avisé inspectant les rosiers découvre aux disgrâces une fleur qui trépasse. Promptement trop peut-être, Jeanne de tout son être se penche pour saisir l'objet du déplaisir. Mais la terre est bien basse et s'écroulant sur place, Jeanne vient se briser au cœur de son rosier. Rose parmi les roses, depuis longtemps éclose. Elle tempête et peste de n'être plus très leste. On coupe le rosier pour pouvoir dégager Jeanne de ses épines, aux griffures assassines. Et le fémur brisé, il fallut l'emmener les fleurs de son jardin.